On a des contraintes qui sont liées au flux. On a énormément de public euh, sur les interactivités directes. Un euh, million 400 000. Euh, voilà, c'est des, des scores qui sont. Il y a sont, des fils euh, d'attente. Sont, sont importants. Donc euh, la question de l'interactivité, que ce soit donc capter les flux, euh, les, 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 les interfaces directes, euh, c'est-à-dire l'interactivité directe du public, sont des choses qu'on a pu expérimenter euh, par le passé et qui trouvent très rapidement leurs limites en termes de lisibilité de projet en raison des flux importants. Euh, sur l'intelligence artificielle, moi je laisse beaucoup de place au, au, au projet euh, des artistes. Euh, pour euh, l'an prochain, on a deux collectifs euh, turcs qui sont euh, Ouch et, et No Lab qui travaillent sur les questions d'IA de, 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 et qui euh, notamment travaillent sur des, des, des installations qui utilisent ces, ces données. Euh, il faut que le, le, le projet soit à la hauteur de, de, du site et que le, tout ça fasse sens, qu'on soit pas juste dans quelque chose de cosmétique avec un intrant de données, mmh. un effet, et puis le, le, le tour est joué. Donc on, il y a vraiment un, la question du propos est importante. Oui, parce qu'il y a un thème, donc il faut que ça soit... Un thème, le il, y a, voilà, il, y a le, il y a le propos artistique aussi, ce n'est pas seulement une œuvre qui doit être du data analyzing, mais qui doit vraiment raconter une histoire. Donc je pense que c'est... On n'est pas du tout fermé à la question de l'interactivité, de, 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 donc ça dépend vraiment des collectifs artistiques et des projets, mais en effet, ça fait partie évidemment de nos réflexions et ça fait partie des réflexions de la scène art, art numérique et digital art en ce moment.